Salut les wheelers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, la V12 vient d'arriver à Limoges. Elle a parcouru un petit peu toute la France et toutes les boutiques de mobilité urbaine. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette roue? Puisque vous devez forcément connaître la première du nom, la InMotion V12, que l'on pourrait peut-être appeler High Speed. Eh bien, la différence, vous allez la trouver au niveau de l'esthétique. Ils ont installé une jante orange, je pense que c'est tout simplement pour que cette roue elle soit reconnaissable et différenciable de la V12 classique. On a un moteur qui fait 2800 watts avec des jantes qui ont été renforcées pour permettre un meilleur couple d'après ce qu'Emotion donne comme information. On a aussi les LED latérales à l'avant également, c'est un peu la marque de fabrique d'Emotion. Quoique sur la V11, ils avaient enlevé les LED et d'ailleurs je trouvais que c'était un petit peu dommage puisque ça permet vraiment d'avoir une bonne visibilité. Vous pouvez vous amuser à faire les kékés aussi parce qu'il y a aussi des haut-parleurs stéréo qui envoient du son très très lourd. Le petit trolley classique, donc ça ne change pas, c'est toujours le même, qui est vraiment solide et qui a vraiment une bonne hauteur. Beaucoup plus confortable en fait que sur la Kingsong S20, je trouve. On a bien sûr le petit tableau de bord, l'écran tactile, qui permet finalement de remplacer totalement l'application mobile. Donc vous pouvez en fait tout paramétrer sur la roue. Alors elle était en mode off-road, j'étais pas forcément très à l'aise, donc je me suis mis en mode confort, et là ça change quand même, il y a une meilleure réactivité, et aussi pour freiner, il y a quand même un petit peu moins d'inertie d'une certaine façon. Alors cette roue, elle est dotée de deux packs batteries. Au total, on est à 1750 Wh. Cette roue, elle est donnée pour faire 100 km. Par ailleurs, Electron, il a fait un test d'autonomie et en roulant à 25-30 km/h, il a réussi à atteindre les 100 km. Mais dans une configuration, on va dire, dite classique, on va tabler plutôt sur 80 km d'autonomie. On a des super phares qui normalement s'allument comme ça, avec deux niveaux finalement, voire trois niveaux de luminosité, si je dis pas de bêtises. Le coupe-moteur qui se situe ici, voilà, sous la pédale. La roue, elle pèse quand même 29 kg. Et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être dommage qu'elle ne soit pas vendue en fait d'origine avec des power pads, comme par exemple la Kingsong S20. Parce qu'il n'y a finalement que 5 kg de différence avec la S20. Et c'est vrai que pour freiner, il faut vraiment s'y prendre en avance, anticiper. Alors quand on roule en ville et qu'on est autour de l'agglomération, voilà, il faut juste savoir que c'est une roue qui nécessite d'avoir un minimum d'anticipation. Alors bien entendu, on peut régler ça, il suffit de monter un petit peu le dénivelé des pédales, les monter un peu en arrière, et comme ça forcément on aura un meilleur freinage. On a une béquille. Bon, c'est un peu le classique maintenant, les béquilles, toutes les roues en ont, et c'est vrai qu'elle est solide celle-là, et ça permet vraiment de stabiliser la roue lorsque vous voulez la garer. Là, très intéressant, vous allez voir en fait un port USB, un port USB type C, et bien entendu le port de charge. Alors malheureusement, il n'y a qu'un port de charge, il faut compter à peu près 9 heures pour une batterie complètement pleine. Ce moteur, j'ai oublié de vous dire, c'est un moteur de 100 volts, donc ça envoie des côtes jusqu'à 45 degrés. C'est une version où la vitesse maximum a descendu, c'est-à-dire qu'avec l'ancienne V12, on pouvait monter à 70 km/h sur terrain privé. La vitesse a été abaissée à 60 km/h. Là, vous allez avoir un pneu cross de 3 pouces, 16 par 3. C'était pas le cas sur l'ancienne, c'était un pneu plutôt, on va dire, axé route. Donc là, on est vraiment sur un modèle qui se veut être fait pour faire du off-road principalement. Mais bien entendu, elle reste maniable aussi en agglomération. Avec cet écran tactile également, il y a la possibilité de mettre un petit anti-vol numérique. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir directement sur les applications de roues en général. J'aime beaucoup les pédales qui sont en forme d'abeille avec les petits picots. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure adhérence. Et en plus, étant donné qu'il n'y a pas de power pad, ça va vraiment permettre de maintenir le pied sur la pédale et sur la roue. Alors on a aussi une carte mère qui a été renforcée.
avec des MOSFET qui sont beaucoup plus costauds, des pièces qui permettent d'avoir l'assurance de pouvoir rouler tout en sécurité. On a également au niveau des batteries 3 BMS qui se chargent de contrôler les batteries, la charge, la tension, le voltage. Bon, bah c'est bien beau de donner des informations caractéristiques, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais qu'est-ce qui compte le plus sur une roue ? C'est son confort, sa maniabilité, la sensation qu'on peut avoir lorsqu'on est dessus. La sensation que j'ai eue était plutôt bonne. Ce qui est toujours impressionnant sur cette roue, c'est qu'en fait, elle est extrêmement silencieuse. On n'entend pas de sifflement, on n'entend pas non plus le moteur, tout simplement. On pourrait très bien penser que la roue est éteinte. Là, sincèrement, quand je la fais rouler, je n'entends rien. J'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a rien. Donc ça, c'est super lorsque vous voulez vous balader, et notamment en campagne, et être dans un calme total, c'est super. Par contre, là où ça peut être un inconvénient, c'est lorsque vous êtes en agglomération, c'est pour vous faire entendre des autres piétons, des autres usagers de la route. Effectivement, comme elle ne fait pas de bruit, je vous conseille peut-être d'installer des applications tierces qui permettent de simuler un bruit, par exemple, d'Harley Davidson ou tout autre son. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur les voitures électriques de plus en plus, hein, des sons qui sont simulés à la haut-parleur, donc on en a tout à fait la possibilité. Sensation de roulage. Alors, comme je le disais, moi, je trouve que c'est une faute de vendre la V12 iTorque sans des power pads d'origine. Alors bien entendu, vous allez pouvoir en acheter, je vous le conseille vraiment, car elle pèse tout de même 30 kg. Comme je vous le rappelle, c'est 5 kg de moins que la Kingsong S20. Et au niveau du freinage, c'est pas bon du tout. En tout cas, c'est pas bon pour moi. Il y a vraiment trop d'inertie et je me sens pas forcément en sécurité. Admettons, je roule à 30-35 km/h, je dois m'arrêter, faire un freinage d'urgence. C'est compliqué. C'est compliqué sans les power pads. Alors si par contre, vous avez... Si vous roulez tranquillement, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que pour une roue qui est censée quand même faire du off-road, ça mériterait en tout cas que ces power pads soient installés. La V12, bien entendu, eh bien, elle est sortie, donc vous pouvez d'ores et déjà l'acheter. Une valeur sûre d'entrée dans le monde de la roue, surtout pour les 16 pouces, parce que finalement, la seule concurrente de la V12, c'est la 16X. Petite dédicace, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube de Gap V12. Comme son nom l'indique, c'était un débutant, il a commencé la roue sur une V12. C'est une valeur sûre, certes c'est un investissement, mais après vous avez vraiment un retour sur cet investissement. Vous avez une roue fiable, vous n'aurez pas forcément besoin d'en changer avant un bon bout de temps. Voilà, après avoir roulé 10-15 minutes avec, je commence à la maîtriser. Donc forcément, c'est là que on peut rouler, on va dire prendre l'habitude de la roue all day. Ah, par contre elle est raide. Bon bah j'ai essayé un petit peu en agglomération de rouler, c'est très agréable, c'est maniable, les pédales sont hautes. Faut juste un peu se lancer, bien pousser en avant. Voilà, c'est fluide, c'est vraiment agréable, c'est maniable. J'ai réussi à faire des demi-tours très facilement, hein, sur un espace qui est réduit. Le pneu, je pense qu'il faut un petit peu baisser la pression, il est un peu dur.